Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve ce soir pour le résultat du petit concours concernant le nombre de mes ATC. Oui, je devais le clôturer le 16, on est aujourd'hui le 18, mais j'ai eu plus de travail que ce que je n'avais compté. Et donc voilà, j'ai pas pu vous la faire, donc je vous la fais ce soir. Et en plus, je vous la fais ce soir sous la lumière artificielle, c'est pas top. Mais bon, je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors, pour cette vidéo, ce petit jeu concours où je vous demandais combien vous pensiez que j'avais d'ATC. Pour vous faire gagner, je vous rappelle ce lot de Twin Marker de chez Action. Vous avez été en tout 126 à participer, avec du plus petit chiffre au plus grand chiffre de nombre d'ATC. J'ai beaucoup aimé, c'était assez rigolo. Donc, alors avant tout, on va commencer. Vous m'avez demandé comment je rangeais mes ATC. Alors moi, je les range dans des pochettes. Dans des pochettes comme ceci. Voilà. C'est des pochettes à 9 cases. Et il y a 9 petites pochettes que je mets après dans des classeurs. Et ces mêmes pochettes me servent aussi pour faire les PLP. Est-ce que vous allez mieux voir là? Oui, peut-être. Voilà, c'est 9 pochettes pour faire les PLP. Et donc, je range aussi mes ATC dedans. Donc, je trouve ça par paquet de 100. Donc déjà, ça vous donne un petit indice. Hein. Je trouve ça par paquet de 100 sur le site Ultra Pro Série. Oups. Voilà, Ultra Pro Série. Le site internet, il est là, voilà, Ultra Pro, www.ultrapro.com, et ça s'appelle 9-pocketpage. Donc je suis allée voir sur le site, et actuellement ils sont les boîtes de sang sont épuisées, mais vous n'avez peut-être pas, si vous n'avez pas beaucoup d'ATC et de PLP, il y a aussi d'autres formats que par 100. Vous avez par 10, vous avez par 20, par 30, enfin voilà. En même temps, j'avais eu ce petit catalogue, et il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas, mais bon, voilà, il m'avait envoyé ce petit catalogue. Donc, vous trouverez ces pochettes sur ce site, et c'est aussi là que je prends mes petites pochettes individuelles. Quand j'envoie une ATC, j'aime bien glisser ma petite ATC dedans. Tout cela, ça évite qu'elle s'abîme. Par exemple, j'en ai une ici qui n'a pas trouvé son propriétaire encore. Voilà, je la glisse dedans et quand je l'envoie, eh bien, elle est protégée. Donc ça, ce sont des paquets de... Combien y a-t-il là-dedans ? C'est pas marqué. Je crois que c'est des paquets de 100. Oui, quantité 100, voilà. Donc je vais vous mettre ça beaucoup plus près, comme ça vous verrez. Hop. Est-ce que ça va? Voilà. Voilà, vous trouvez ça sur le site. Là, il y a le code barre. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Voilà, tout pareil. Par contre, là, je ne vous ai pas cherché le prix, mais je trouve ça sur le site. Et je m'en commande. La dernière fois, je me suis commandé 10 paquets de 100. Parce que comme ça, je les ai d'avance. Et puis, ça prend pas beaucoup de place, quoi. Elles sont livrées comme ça dans des petits sachets par 100 qui ferment. Là, je trouve que c'est bien pratique. Et ça protège bien nos petites ATC quand on les envoie. Alors, revenons à quand même ce qui est le plus important, le petit contour. Donc avant de vous dire qui a gagné et qui a presque trouvé, quelle est la personne qui s'est rapprochée au plus juste, vous étiez deux à être vraiment très près et forcément il y a une gagnante. Je vais vous présenter ici mon tout premier album d'ATC que j'avais acheté comme ça, tout fait. Et c'est la toute première ATC que j'ai reçue. Elle me vient de Boyer-Laurence et elle a été réalisée le 2 février
2010. Vous voyez, ça fait tout juste 20 ans que je scrape les ATC et que j'en reçois. Donc voilà, c'est vraiment les toutes premières ATC que j'ai reçues. Et alors moi, je ne les classe pas par thème, par saison. Je les classe dans l'ordre où je les reçois. Voilà, donc là, je vous montre comme ça, pour ne pas vous montrer les petits noms. Vous voyez, mais celle-ci là, qui est très jolie, avec du faux muguet. Ça, c'est Marie-France qui me l'avait faite. Regardez ça, avec des petites boules de papier WC mouillé. Elle m'avait fait des brins de muguet. Ça, c'est magnifique. Voilà, donc ça, c'était mon premier album. Ensuite, je suis passée sur un album un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, j'en ai un petit peu plus déjà. Il y a vraiment toutes les sortes de les ATC. Vous voyez, il y en a même déjà à mon nom. Kiki. Voilà, c'est très bien ces rangements. La seule chose que je peux peut-être reprocher à ce genre de rangement, c'est que quand elles sont dans ce sens-là, ça va, mais quand elles sont horizontales, eh bien, elles sont à l'envers. On les regarde à l'envers. Mais bon, c'est pas vraiment dérangeant. Et j'ai vraiment de toutes les sortes. Voilà. Donc nous sommes à deux. Le classeur, ça c'est les petits classeurs. Ensuite, je suis passée à ce classeur que mon papa m'avait donné. Donc c'est vrai que celui-ci, c'est un peu sentimental parce que bon, je n'ai plus mon papa. Et vous voyez qu'il est bien rempli aussi. Quand je ne peux plus ici fermer le petit système là qui bloque les feuilles, eh bien je change de classeur. Donc voilà. Et j'en ai qui sont brodées aussi. Regardez. Là, celle-ci, c'était sur le thème de la rentrée. Regardez-moi si c'est chouette. C'est simple, mais c'est du boulot. Parce que le point compté, c'est du travail quand même. Donc voilà. Alors, on peut voir au fil des saisons. Là, on était à Noël un peu. Vous voyez, joyeuse fête. C'est là aussi, c'est brodé. Vous voyez, ça aussi, c'est brodé. Donc voilà, j'ai ce petit classeur-là. Donc nous en sommes à 3. Et après, je suis passée au classeur un peu plus gros. Celui-ci a même son petit emballage, on va dire. Hop. Et voici. Et là, vous voyez aussi, il est bien, bien plein. Donc là, j'ai du Pergamano. Là, c'est Noël encore. Ici aussi, vous voyez, oups. Ici, c'est du Pergamano, ça c'est magnifique. C'est avec mon initiale, ça c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, si c'est beau. Alors ça, c'était... Qui est-ce qui me l'a fait Le jardin de Maddy. Et oui, oh là là, ça remonte, ça c'était en 2015. Le jardin de Maddy. Là, il y a vraiment toutes les encore du Pergamano, là. Ici, du Magnolia, petite fille que j'aime bien. Voilà, là, ici, c'est Noël. Ici, c'est Noël. Hop, là, de la broderie encore. Donc, voilà. Donc, voilà encore un autre. Hop. Ensuite... J'en ai un, donc nous sommes 1, 2, 3, 4. J'en ai un cinquième ici. Alors ici, j'ai même des ATC que je n'ai pas pu mettre dans mon album parce qu'elles sont attachées avec une petite chaîne. Et c'est vraiment sympa. Vous voyez, là, j'avais 4 ATC comme ça. Donc celle-ci, eh bien, elle est sur le côté, accrochée. Elle n'est pas attachée. Et ici, j'ai encore tout plein d'ATC. Regardez ça, si c'est beau.
Alors c'est un peu embêtant quand il y a trop d'épaisseur, voyez comme celle-ci là, ça force un peu sur la pochette, mais ça rentre. Ici, regardez, 1000, c'était pour mes 1000 abonnés. J'avais une de vous qui m'avait fait. Alors c'était. C'était Laure. Laure, tu te reconnaîtras peut-être si tu vois. Voilà, les ATC. Voilà, encore tout ça. Donc, si vous faites un petit calcul rapide déjà, vous vous rendez compte. Et voici. Donc, je ne prends pas... Ça, c'est c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais je ne prends pas le dernier, puisque ce dernier, je l'ai rempli depuis qu'on a fait le concours. Voilà, ici, c'est mon... Vous voyez, j'en ai même ici que je n'ai pas pu, rentrer, parce qu'elles sont trop grandes ou trop épaisses. Vous ne voyez pas. Voilà. Voyez. Alors combien je mets de pochettes là? Il est moins plein, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. Vous voyez, dans celui-ci, j'ai 26 pochettes. Ce qui nous fait, si on multiplie par 9, hop. Vous voyez, j'en ai quand même 234 dans celui-ci. Voilà, donc, en fait, j'ai donc mon dernier petit classeur que je viens de commencer. J'ai donc en tout, au jour où je vous ai proposé ce petit concours, j'ai 2096 ATC. Voilà. Et j'ai relevé quelques noms qui tournaient au plus près de mes 2096. Par exemple, Mylène qui m'avait dit 1968, Christelle 2323, Christine J71. 2368, Amandine Collange 1924, Daniel Lacroix 2250, Martine Berquez 2340. Voilà, donc ça c'était un petit peu encore éloigné. Et j'ai eu deux personnes. Il y a eu Chantal Deveau qui m'a dit 2000 et Arlette Claude qui m'a dit 2071. Alors forcément, ben, le calcul est vite fait. Chantal, 2000 à 2096, tu as un écart de 96. Et Arlette Claude, avec 2071, tu as un écart de 25. Donc, eh bien, voilà, le suspense est levé. Bravo Arlette, tu as gagné avec un écart. Tu as trouvé à 25 ATC près le nombre de mes ATC. Félicitations. Et je t'invite donc à me laisser un petit mail. Kiki Création 17@gmail.com. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée ce soir. Donc, de m'envoyer un petit mail en me donnant ton adresse postale. Et je t'enverrai ce petit lot. Qui vraiment, c'était un petit lot comme ça pour faire un petit jeu. Si tu me permets, je le défrai pour pouvoir l'envoyer à plat sur une enveloppe à plat, parce que là je pense que ça ne passe pas. Vous voyez, ça passe juste pour la poste, et sinon je vais être obligée de l'envoyer en colis. Donc si je peux mettre les marqueurs, les défiser, les mettre sur une grande enveloppe, ça passera à plat. Donc tu me dis si ça ne te dérange pas que je fasse comme ça. Félicitations à toi. Merci à vous toutes d'avoir participé à ce petit jeu un petit peu improvisé. Je vous remercie de me suivre. Je dis bienvenue à mes nouvelles abonnées encore. Le nombre a encore progressé et à chaque fois pour moi c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Je n'en reviens toujours pas. Je vous remercie. Portez-vous bien. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.